Je suis assise ici avec Lofine dans le camp de travail. Lofine a 3 enfants. Elle a été handicapée du bras et de la jambe. Et elle essaie de son mieux de prendre soin de ses enfants. Et son défi, c'est le défi aussi de 4000 personnes qui ont été handicapées par le séisme en Haïti le 12 janvier dernier. Maintenant, ce que Vision Mondiale fait, c'est de promouvoir le travail et on aimerait voir Lofine reprendre sa petite entreprise qu'elle avait avant le séisme. Elle avait une petite business de cosmétiques où elle faisait la vente de cosmétiques. Et notre désir, c'est qu'elle et toutes les personnes qui sont handicapées et qui ont été meurtries par le séisme puissent reprendre le chemin de la vie normale, un chemin de dignité, un chemin de force et surtout d'espoir pour elle et pour ses enfants. Merci de votre soutien pour le travail qui se fait ici en Haïti.